Ça va bien, hein. On a repris le 24. Je découvre un peu tout le monde, un nouveau staff, un nouveau groupe. On est parti en stage dimanche. Et on est en Espagne, il fait bon, donc on bosse dans des bonnes conditions. Les nouveaux collègues, ils sont gentils avec toi? Ouais, ça va, ils sont tous. Ouais, ils sont tous gentils. Il y a un bon groupe, on sent que ça vit bien. Et il y a Sam Kassongo qui est derrière là. Et non, voilà, c'est cool pour moi pour l'instant. C'est important justement du coup ce genre de stage, cette mise au vert hors de la France en plus. Ouais, c'est important, surtout au niveau de la cohésion. Pour moi qui est nouveau, c'est bien d'apprendre à connaître tout le monde en dehors de la ville même. Donc on est un peu plus tous ensemble, on se voit un peu plus, je parle un peu avec tout le monde. Même les étrangers, j'essaie d'un peu communiquer avec eux, même si j'ai encore un peu de mal avec les langues. Mais franchement, c'est cool et ça se passe bien pour l'instant. C'est plus facile d'arriver en plus dans un groupe voilà, qui se connaît bien, mais où il y a une ouverture d'esprit, qui s'entend bien, où il y a une... Ouais, je pense que c'est plus facile. C'est plus facile. Leur groupe vit bien. On sent vraiment qu'il y a un bon état d'esprit, que tout le monde se connaît. J'ai suivi leur deuxième partie de saison l'année dernière où ça jouait bien, où le football est vraiment fort. Donc, ouais, c'est cool, hein. C'est cool, Avec le 7, Thierry, niveau intérieur, du coup, c'est fait. C'est Qu'est-ce ça. qui change de passer un club comme vous? Qu'est-ce qui change? On va parler des infrastructures. Déjà au niveau des infrastructures, après au niveau football, au niveau d'intensité, il y a un peu plus d'intelligence de jeu, on va dire. Techniquement, c'est un peu plus élevé. Mais je dirais surtout, c'est ça qui change. Hein. Ça Donc, pète pas plus. comment? Ça pète pas plus. Non, lui, ça va. Samuel, c'est un bon petit, il est humble, il est un peu comme moi. On a accroché dès le début, donc non, ça va, ça pète pas trop lui. Quels sont tes objectifs, tes ambitions pour toi personnellement et pour l'équipe pour cette saison? Dans un premier temps, ça va être de bien s'intégrer, d'apprendre à connaître tout le monde pour que je sois à l'aise, parce que je suis un garçon qui a quand même un peu timide. Mais après, d'un point de vue de football, ça va être de jouer, d'apprendre aux côtés de ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, découvrir un nouveau championnat à un niveau supérieur, de s'adapter physiquement, de se remplir physiquement. On va tout faire étape par étape et après on verra comment ça se passe. Impatient d'arriver à toutes ces étapes, les matchs amicaux, le nouveau championnat. C'est ça, je suis vraiment impatient parce que je sais que y a le football qu'on parle est le même. J'ai besoin d'abord de me remplir physiquement parce que la deuxième partie de saison l'année dernière a été un peu plus compliquée avec 7, même si on a atteint l'objectif du maintien. Et voilà, je vais me remplir physiquement, bosser, on a un bon staff, des bons kinés qui prennent soin de nous tous, donc voilà. D'ailleurs, au niveau du rythme sur ce stage, comment ça se passe? Vous allez progressivement ou c'est encore... Ouais, on a commencé progressivement, ça commence à monter de plus en plus, l'intensité monte. Et voilà, après c'est bien géré, donc ils savent ce qu'ils font, donc non, c'est cool, ça bosse bien. Toi sur le terrain, pour te présenter un peu, où est-ce que tu préfères jouer et ta position? Moi je suis un milieu relayeur, après je peux jouer dans les trois postes au milieu, selon les besoins, mais je suis plus un milieu relayeur offensif plus. Voilà, c'est ça. Après je peux jouer côté, mais je préfère dans l'axe. Ouais. Sur Samuel qui observe attentivement ta première conférence de presse. Il va se présenter tout seul, hein? C'est comme un grand. Non, vous connaissez. Mon gars, il est là. Bonne présentation, là, pour ses bons débuts. Je connais un peu stressé, c'est normal. Ouais, tu connais, je suis pas à l'aise, Et moi. c'est carré. Non, Samuel, c'est un bon petit, on a accroché dès le début. Mais oui, Et beaucoup de qualité, un énorme potentiel. Ah, c'est lui. Et franchement, restez branchés parce que petit, là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Samuel, tu valides sa première conférence de presse, c'est bon? Franchement, je suis étonné. Arrête de Je suis épaté m'étonner. parce que franchement, je pensais qu'il allait bégayer tout ça, mais c'est passé crème. Il sait s'exprimer, on a pu voir, hein, je pense que vous êtes tous d'accord avec nous. Donc Il est bon, hein? Il est pas mal, lui, il est à l'aise devant les caméras. Non, il est fort, il est Non, fort. Là, il est c'est fort. bon déjà. Non, ça va. Dis-moi. T'es la seule recrue de cette année pour l'instant. Mmh. Droit à un petit visitage? Non, pas encore, il va arriver. Il va arriver, mais j'essaie de repousser les chances tous les soirs. Là, il voulait me faire chanter ce soir, mais je vais essayer de repousser encore comme je fais, hein, au maximum. Hein. Mais ouais.
ça va arriver, voilà. On est obligé de passer par ça, de passer par là. C'est ce que c'est ou pas ? Le bizutage ? Non, seulement chanter, je pense. Hein. Chanter, danser. Comme il a. Comment ? T'as déjà ta chanson en tête ? Ouais, j'ai déjà ma chanson en tête. Il la répète souvent. J'ai déjà ma chanson en tête.